non, salut tout le monde et bienvenue à la chapelle en ligne. Je m'appelle Louis et je suis le pasteur des opérations à la chapelle Montréal. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir à notre réunion en ligne. Sois le bienvenu et encore plus si tu te connectes pour la première fois. Aujourd'hui, on continue notre série Mise en forme et on écoute ensemble David Potier qui prêche sur le jeûne. On se revoit tantôt. Merci tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes un peu plus en forme spirituellement que la semaine passée. Ouais. J'espère que tu as pratiqué un peu plus la prière, la conversation avec Dieu cette semaine qu'avant et j'espère que tu as commencé à te muscler spirituellement. Notre thématique « Mise en forme » et le verset thème, c'est 1 Timothée 4,8 qui dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Le terme « exerce-toi » dans le grec, c'est « gymnasio », d'où on tire le mot « gymnase ». Dieu a un gym. Et Dieu a le meilleur gym au monde. Dieu t'a inscrit dans son gym. Et ton abonnement est payé à vie. Tu as un abonnement gratuit. Pourquoi? Parce que Jésus a payé ton abonnement. OK, lorsque quelque chose est gratuit, ce n'est jamais parce que c'est vraiment gratuit. Lorsque quelque chose est gratuit, c'est parce que quelqu'un qui a payé pour. Et Jésus a payé ton abonnement au gym de Dieu. Tu as accès au gym de Dieu gratuitement à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Dieu a un gym. Jésus a pourvu pour ton abonnement et je suis ton coach pendant les prochaines semaines. C'est une bonne nouvelle ça? Peut-être pas. Non, peut-être. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas juste moi. Il y a le pasteur Daniel Descaries qui va être là la semaine prochaine pour une discipline spirituelle et d'autres pasteurs aussi. À chaque semaine, on vous donne un exercice spirituel nouveau avec une mise en pratique. Et n'oubliez pas, il y a le guide de mise en forme, ce petit livret mise en forme qu'on a fait. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez vous le procurer à la sortie. On va le donner. Si vous ne l'avez pas eu seulement, si vous l'avez déjà, s'il vous plaît, laissez-le pour les autres. Dieu a un gym. Jésus a payé ton abonnement. Je suis ton coach, mais tu dois t'entraîner. Amen. Il n'y a pas personne qui peut s'entraîner à ta place. Lorsque l'apôtre Paul parlait de sa mission sur cette terre, lorsque l'apôtre Paul parlait de son ministère, il en parlait avec des mots d'entraînement. 1 Corinthiens 9. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à l'obtenir. » Regardez ce qu'il va dire ensuite. Il va parler de son entraînement. « Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » L'apôtre Paul dit, je m'entraîne spirituellement et parfois c'est dur, parfois c'est tough. Je fais des sacrifices comme un athlète physique fait des sacrifices. Je fais des sacrifices spirituellement pour m'entraîner spirituellement. Maintenant, souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on essaie de faire des choses. On essaie de faire des choses spirituelles. Mais il y a une grande différence entre essayer de faire des choses et s'entraîner à quelque chose. C'est vraiment différent. La définition de s'entraîner, c'est organiser ma vie autour d'activités qui vont me permettre d'accomplir ce que je ne peux pas faire en ce moment par un effort direct. Pour faire certaines choses, on doit s'entraîner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle aujourd'hui qui pourrait aujourd'hui courir un marathon? Quelqu'un? Quelqu'un? Même pas un? Aujourd'hui? Tu pourrais courir un marathon aujourd'hui? Voilà, OK. Loïc, ceux qui ne le savaient pas, Loïc fait des marathons, OK, et sa femme, Suzanne, fait des marathons aussi. Suzanne a fait un marathon alors qu'elle était enceinte, imaginez-vous. OK, elle savait pas qu'elle était enceinte, elle savait pas. Donc, faut pas l'applaudir. C'est quoi la femme enceinte qui court? Non, elle ne le savait pas. Mais par la grâce de Dieu, elle a pas perdu le bébé. Ces deux-là font des marathons. Et Loïc a dit, oui, je pourrais faire un marathon aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il est en train de s'entraîner pour un marathon. Imaginez, le gars, il est venu à l'église un matin, il a fait le MC, il s'est impliqué, il a vidé le camion, puis il pourrait faire un marathon. Mais quel homme, pareil, quand même! Quand même! Tu
Tu ne peux pas réaliser un marathon sans t'entraîner. Si tu veux courir un marathon, tu dois t'entraîner au marathon. Si tu veux faire du powerlifting, tu dois t'entraîner à lever des poids. Et dans un an, tu vas lever des poids que tu n'es pas capable de lever maintenant. La transformation spirituelle implique toujours un entraînement. C'est vrai dans le sport, c'est vrai dans les études, et c'est vrai dans la formation spirituelle, et c'est vrai dans la formation de notre caractère. Si on veut être transformé, il faut s'entraîner. Et comment on s'entraîne? Par les exercices spirituels, par les disciplines spirituelles. La Bible, par exemple, nous commande d'être dans la joie. T'as-tu déjà essayé d'être joyeux? Est-ce que tu t'es déjà dit « je dois être joyeux »? Il n'y a rien pour tuer la joie comme essayer d'être joyeux, right? Ça ne marche juste pas. Mais pour pratiquer la joie, tu dois t'entraîner. C'est pour ça que la Bible amène une discipline spirituelle qui s'appelle la célébration. Il y a des festivités, il y a des fêtes, il y a de la louange, il y a de la célébration pour s'entraîner à la joie. Si tu as de la difficulté avec la médisance, tu dois t'entraîner à la discipline du silence. Si tu as de la difficulté, par exemple, si tu as tendance à t'isoler relationnellement, tu dois pratiquer la discipline spirituelle de la communion fraternelle. Si tu es toujours pressé, tu es toujours stressé, tu dois pratiquer la discipline spirituelle de ralentir. Si tu as de la difficulté dans ta communion avec Dieu, tu dois pratiquer la discipline spirituelle de la prière. Les disciplines spirituelles servent à s'entraîner. Maintenant, je suis conscient qu'en 2023, ce n'est pas populaire de mettre les mots « discipline » et les mots « spirituel » ensemble. C'est comme si on n'aime pas ça. C'est comme s'il y a quelque chose en nous qui se dit « oh, c'est fake ça ». Il y a quelque chose de fake, discipline spirituelle, c'est pas authentique, c'est pas vrai. On a cette espèce de paradigme que pour les choses spirituelles, pour être authentique, il faut que ça nous tente. Pour les choses spirituelles, pour ne pas être hypocrite, il faut qu'on ait le goût. Mais jamais personne s'est posé cette question-là sur le tapis roulant au gym. J'ai jamais vu quelqu'un courir sur le tapis roulant et dire « ça me tente pas, je suis tellement hypocrite ». Personne fait ça, hein? J'ai jamais vu personne qui a pas le goût de manger ses légumes, qui se force à manger ses légumes, qui se trouve hypocrite de le faire. Mais pourquoi, lorsque vient le temps des disciplines spirituelles, si on n'a pas nécessairement le goût sur le moment, on dit « c'est hypocrite, je peux pas le faire ». Voyez-vous? Il y a quelque chose qui cloche dans ce raisonnement-là. En fait, les disciplines spirituelles, ce sont des moyens de grâce. Ce sont des moyens de grâce que Dieu nous donne pour nous mettre en forme spirituellement et pour développer notre relation avec lui. Mais il faut s'exercer. Si la mise en forme physique passe par des exercices physiques, la mise en forme spirituelle va passer par des exercices spirituels. Et plutôt que d'essayer, si tu commençais à t'entraîner, plutôt que d'essayer encore, encore et encore, et de faire encore, encore et encore, et de te sentir coupable encore et encore, et si au lieu d'essayer, tu commençais à t'entraîner, et mets la barre basse, mais pas la barre haute, mais commence à t'entraîner, parce qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en essayant, mais on a aussi tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en s'entraînant. Hein? On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en déployant un effort sur le moment, là. Alors qu'on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire si on s'entraîne.
sur une base constante. La constance dans les petits efforts. Maintenant, à quelqu'un qui est découragé peut-être de sa vie spirituelle, à quelqu'un qui dit « j'ai tellement de chemin à faire », j'aimerais dire ceci. Si cette semaine, tu as prié un peu plus que la semaine dernière, tu as avancé. Tu as progressé. Si cette semaine, tu n'as pas été capable de pratiquer la prière simplifiée, mais que tu es venu à la réunion de prière, tu as avancé, tu as progressé et Dieu se réjouit de ta progression. Cette semaine, on va regarder un autre exercice, celui du jeûne. Le jeûne bibliquement, sa définition c'est, le jeûne biblique est de s'abstenir de nourriture dans un but spirituel. S'abstenir de nourriture dans un but spirituel. Il y a plusieurs types de jeûne dans la Bible. Il y a le jeûne absolu, sans eau et sans nourriture. OK, ça, c'est arrivé seulement quelques fois et c'est dangereux à pratiquer. Fais pas ça. Okay. C'est vraiment dans des circonstances extrêmes. Le peuple d'Israël avait pratiqué le jeûne absolu lorsqu'il était menacé d'extinction. Il était menacé de tous se faire massacrer. Le jeûne absolu. Deux, il y a le jeûne normal. Le jeûne normal, c'est quoi? C'est un jeûne seulement à l'eau. Pas de nourriture, mais de l'eau. C'est commun dans les Écritures. Et trois, il y a le jeûne partiel. C'est ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Ou un jeûne de légumes seulement. Différents types de jeûnes, différentes durées de jeûnes dans la Bible, dans les Écritures. Des jeûnes d'un repas, d'une journée, de 3, de 7, de 14, de 21 jours et même de 40 jours, différentes durées. Maintenant, il y en a qui disent, moi, je jeûne entre les repas, ça compte pas, OK? Je me souviens... Quand mon fils était petit, là, j'ai commencé à y apprendre le jeûne, puis papa va jeûner, tout ça. Puis là, il dit, « Oh, papa! » Il dit, « C'est beau, ça! » Il dit, « Moi aussi, je vais jeûner du repas. » Il avait 5 ans. Puis là, j'étais tellement touché. J'avais le goût de dire, « Mais non, mon fils, tu peux pas, t'es trop jeune. » Puis là, j'allais juste pour lui dire ça, mais il dit, « Je vais jeûner du repas, puis je vais manger juste le dessert. » J'ai dit, « Non! Ça, c'est pas le jeûne non plus! » Jeûner entre les repas, c'est pas du jeûne. Jeûner pendant que tu dors, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne est partout dans la Bible. Moïse, David, Élie, Esdras, Esther, les prophètes et le peuple d'Israël ont pratiqué le jeûne. Dans le Nouveau Testament, Anne, Jean-Baptiste, Paul, Pierre, les apôtres et l'Église primitive ont pratiqué le jeûne. Le jeûne n'est pas quelque chose qui est en périphérie de la vie du disciple. Le jeûne doit être une pratique qui est centrale à la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Mais c'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Pourtant, Jésus pratiquait le jeûne. C'était au cœur de sa vie spirituelle. Matthieu 4. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. On a tendance à penser que Jésus a jeûné parce qu'il était dans le désert. J'aimerais vous proposer ceci. Jésus a été au désert pour jeûner. Jésus savait l'épreuve qui l'attendait. Jésus allait avoir un face-à-face avec les ténèbres. Et Jésus devait se préparer spirituellement. Jésus a vécu le jeûne. Jésus a enseigné le jeûne. Matthieu 6. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Court enseignement sur le jeûne de Jésus ici. OK? 4 observations que je veux faire dans ce court texte-là. La première, Jésus prend pour acquis que ses disciples vont jeûner. Jésus ne dit pas « si vous jeûnez ». Jésus dit « lorsque vous jeûnez ». Voyez-vous? Jésus prend pour acquis que ses disciples vont jeûner, que ça va faire partie de leur pratique spirituelle. En fait, le jeûne, c'est l'une des 3 grandes disciplines spirituelles de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Il y a la prière, il y a la générosité, et la troisième, c'est le jeûne. Jésus prend pour acquis que ses disciples vont jeûner. Deuxième observation, ne jeûne pas pour bien paraître. À l'époque de Jésus, puis on peut tenter de ça aujourd'hui, hein, jeûner pour paraître bien aux yeux des autres chrétiens, jeûner pour montrer aux autres et se montrer à soi-même qu'on est plus spirituel que qu'est-ce qu'on l'est en réalité. À l'époque de Jésus, les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Si je me souviens bien, c'était le lundi, et je pense que c'était le lundi ou le mercredi, je me souviens plus, ou lundi ou jeudi. Mais ces journées-là, c'était les journées où tu allais au marché.
Et les pharisiens avaient choisi ces journées-là pour jeûner. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils jeûnaient, ils s'habillaient avec des sacs. Ils mettaient de la cendre dans leurs cheveux pour montrer à tout le monde qu'ils jeûnaient et ils s'en allaient au marché de même. Puis là, tout le monde disait, hey, « Regarde-les, les spirituels. Il va faire son épicerie, puis il mangera rien aujourd'hui. Regarde-les donc. » Et Jésus dit, « Ça, c'est hypocrite. Jeûner pour show-off devant les gens, c'est hypocrite. » Mais attention, jeûner, même quand ça ne te tente pas, c'est pas hypocrite. Comprenez ce que je dis? Jeûner quand ça ne te tente pas, ce n'est pas hypocrite. Ça ne te tentera jamais de jeûner. Si ça te tente de jeûner, tu as un méchant problème. Tu n'auras jamais le goût de jeûner. Et jeûner quand ça ne te tente pas, ce n'est pas hypocrite. Ce qui est hypocrite, Jésus a dit, c'est de jeûner pour show off. OK, troisième observation. Dieu t'attend dans le lieu secret. Jésus a dit, ton Père qui est là dans le secret. Quand tu prends la décision de jeûner, Dieu t'attend. Dieu t'avait précédé dans ton lieu de jeûne. Dieu t'attendait pour te rencontrer dans cet endroit-là. Et quatrième observation, Dieu récompense toujours le jeûne. Jésus a dit, si tu jeûnes pour show off, les pharisiens font ça, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Vous savez, c'est quoi leur récompense? La seule chose qu'ils vont avoir, c'est les gens qui vont les applaudir. Mais il dit, toi, quand tu jeûnes, rentre dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a décidé de jeûner, qui veut apprendre à jeûner, j'aimerais dire ceci. Lorsque tu prends la décision de faire cet exercice spirituel qui est très difficile, Dieu va toujours te le rendre. Il y a toujours une récompense pour le jeûne. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Il y a toujours une récompense pour celui qui jeûne. Maintenant, je sais qu'on est terrifié par cet exercice du jeûne. C'est dur, jeûner. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à pratiquer le jeûne, j'avais un mentor spirituel à cette époque-là et il m'a forcé à jeûner. Je suis tellement content qu'il l'a fait. J'aurais jamais commencé, honnêtement. Il nous a forcé. On était un groupe de jeunes hommes, puis on n'était pas habitués de jeûner comme ça. Puis lui, il nous avait emmenés dans un endroit pour jeûner, dans une retraite de jeûne de 3 jours. Puis ma première année, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, oh, ça va peut-être être tough. Je ne pensais pas que ça serait aussi tough que ça, pour vrai. C'était tellement difficile, tellement dur, que la deuxième année, avant d'aller jeûner, je me suis dit, il faut que j'arrête au McDo avant de jeûner, c'est certain. Le jeûne commençait le matin, mais moi, j'avais été faire un petit tour au McDo le midi avant, puis je m'étais bien empiffré pour être sûr que ça allait être moins dur. J'aimerais dire, méchante gaffe, c'était encore plus dur que ça. Il y avait un autre des jeunes hommes avec nous que lui, il trouvait ça tellement difficile, il se cachait un lunch. Et il allait le manger dans les toilettes, mes amis. Non, mais c'est dégueulasse quand tu penses à ça. Il allait manger son lunch aux toilettes. Après ça, il sortait, puis il venait jeûner. Oui, Jésus, alléluia. On le savait, c'est tout ce qu'il faisait. Il y avait encore du sandwich sur le bord de la bouche comme ça, mais... Mais je trouvais ça difficile, jeûner. J'aimais l'Église, j'aimais la Bible, la prédication, la louange, j'aimais le service, j'aimais même donner. Mais jeûner... Qui aime vraiment jeûner? C'est l'exercice spirituel que je trouvais le plus difficile. Et sais-tu quoi? Aujourd'hui, des années plus tard, le jeûne est l'exercice spirituel que je trouve le plus difficile de tout. La plupart des chrétiens n'ont jamais jeûné à cause de ça. La plupart des chrétiens n'ont pas l'intention de jeûner à cause de ça. Tu dis, c'est bien trop dur, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas faire ça. Mais paradoxalement, on vit dans une culture qui commence à valoriser le jeûne. Vous avez vu, entendu parler de jeûne intermittent? De jeûne pour être en santé, de jeûne pour faire un reset de ton système, de jeûne pour prévenir des cancers. On entend parler de ces choses-là aujourd'hui. Les chrétiens veulent plus jeûner, mais les non-chrétiens veulent jeûner, par exemple. Hein? On entend parler de jeûne pour la santé, pour la politique.
Il y a eu du jeûne. Il y a du jeûne parfois dans des mouvements politiques. Gandhi a jeûné, Nelson Mandela a jeûné, et aujourd'hui, plein de gens vont faire des jeûnes ou des grèves de la faim pour des choses qui sont des injustices, des choses comme ça. Alors, t'as les gens séculiers qui jeûnent, t'as les gens engagés politiquement qui jeûnent, t'as les religions du monde qui jeûnent, les juifs jeûnent, les musulmans jeûnent, les hindous jeûnent. Mais si tu parles d'un chrétien, si tu dis à un chrétien, comment le jeûne est dans ta pratique spirituelle? Comment tu pratiques le jeûne dans ta vie de disciple? La réponse typique va être, wow, t'as un peu, là. Faut pas être légaliste avec ça. Faut pas être légaliste avec ça. Les non-chrétiens veulent jeûner. On est terrifiés à l'idée de jeûner. Mais je crois que le jeûne, combiné avec la prière, est une des pratiques les plus puissantes. Et on hésite à jeûner, on a une certaine réticence à jeûner, oui, parce que c'est difficile, mais aussi parce qu'en tant que chrétiens, surtout les protestants comme nous, on a des vestiges du passé, on a des fausses conceptions. On veut pas que le jeûne, ça devienne une œuvre. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, afin que personne ne se glorifie. Alors, on veut pas faire de ça comme une œuvre pour gagner notre salut. Alors, on a tendance à avoir une mauvaise conception de ça. Ou si on s'est fait enseigner peut-être un peu que c'était un truc de l'Ancien Testament, que c'est pas un truc du Nouveau Testament, on vient de lire Jésus dans le Nouveau Testament qui parle du jeûne. Plein de raisons pourquoi on veut pas jeûner. On a peur de le faire de façon hypocrite. C'est pour ça qu'on le fait pas. Ça me tente pas, donc je veux pas être hypocrite, donc je le fais pas. Ça te tentera jamais. C'est pas de le faire même si ça te tente pas qui est hypocrite. C'est de le faire pour show off qui est hypocrite. J'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est possible de jeûner. Vous avez devant vous quelqu'un qui pratique le jeûne. Je sais que ça paraît pas. Mais j'ai quand même une certaine expérience avec le jeûne. J'ai pratiqué dans ma vie des jeûnes de 1 jour, 3 jours, 4 jours, 7 jours, 10 jours, 28 jours jeûne de Daniel. Toutes sortes de formes de jeûne que j'ai pratiquées, j'aimerais dire, c'est possible. C'est possible. Mais c'est une discipline, c'est un exercice qui s'apprend. Maintenant, je vais donner quelques conseils pour être capable de mettre ça dans ta vie spirituelle. Parce que il y a... Le sous-thème de notre série, c'est « Pour la vie que tu as toujours voulu ». Il y a une vie que Dieu a pour toi. Il y a des choses qui t'attendent. Il y a des bénédictions qui sont bloquées. Il y a des percées dans ta vie qui n'arrivent pas parce que tu ne pratiques pas le jeûne. Ce n'est pas que Dieu est fâché contre toi. Ce n'est pas que Dieu va t'aimer moins si tu ne jeûnes pas. Dieu est sécure en lui-même. Si tu ne jeûnes pas, Dieu va être correct. Mais si on ne jeûne pas, c'est nous qui manquons quelque chose. Il y a quelque chose qu'on peut s'emparer seulement par le jeûne. Et je veux donner quelques conseils pratiques pour jeûner. Ça aide. J'ai des trucs que j'ai développés un peu avec l'expérience. Premièrement, se fixer un objectif réaliste. Je l'ai vu souvent, là. Ah, je vais jeûner 4 jours. Puis la personne se met un objectif inatteignable. Ça n'a aucun sens pour elle. Elle n'a jamais fait ça. Elle ne s'est pas préparée mentalement. Il y a une préparation mentale au jeûne. Tu sais que ça s'en... Surtout des jeûnes prolongés, là. Il y a une préparation mentale. Tu sais que ça s'en vient. Tu y penses, tu te prépares. Il y a toute une posture intérieure qui vient avec ça. Il faut se fixer un objectif réaliste. Commence par un repas. Commence peut-être par une journée. 2, coupe les distractions. J'ai vu souvent des gens jeûner, mais garder le cellulaire ouvert. Garder le Netflix ouvert ou les médias sociaux ouverts. Ils jeûnent, mais ils scrollent en malade. Ça s'appelle du sabotage de jeûne. Ne jeûne pas, puis continue à t'étourdir de la sorte. Quand on jeûne, on coupe les écrans. On coupe les distractions. On coupe l'Internet. 3, alléger son horaire. Lorsqu'on fait un jeûne normal, c'est-à-dire un jeûne à l'eau seulement, nos forces diminuent physiquement. Et on ne peut pas se mettre à bâtir une tour, là.
On ne peut pas se mettre à faire certaines choses. Notre routine doit changer. Et moi, lorsque je me mets un moment de jeûne, je vais diminuer mon horaire de travail un petit peu. Je vais diminuer mon intensité au travail. Je suis quelqu'un qui travaille très, très, très fort. Là, je vais juste travailler normal, tu sais. Juste comme vous autres, à peu près, tu sais. Quand je jeûne, je travaille à peu près comme vous autres. Non, pas vrai. Mais je diminue mon intensité au travail. Pourquoi? Parce que je ne peux pas livrer la même chose, là. Okay? À 8h30, j'ai froid dans ma chaise, puis j'ai juste le goût de dormir. Mais c'est ça. Okay? Alors, il faut s'ajuster. 4. Accompagner le jeûne de la prière et de la lecture de la Bible. Tout le temps, ça va ensemble. Ne fais pas que jeûner sans prier. Si tu jeûnes sans prier, il n'y a pas de différence entre toi et quelqu'un qui n'est pas croyant. Le jeûne doit s'accompagner de la prière. Et 5, jeûne avec d'autres pour t'encourager. Lorsque Jésus a dit de ne pas être un hypocrite puis de montrer à tout le monde qu'on jeûne, il n'était pas en train de dire qu'on ne peut pas jeûner avec d'autres. Il n'était pas en train de dire qu'on ne peut pas se programmer un moment pour jeûner avec d'autres. Ce n'est pas ça qu'il disait. Il parlait de ne pas show off. Mais il y a une puissance dans le jeûne collectif. Il y a une puissance à se synchroniser avec d'autres personnes pour dire « Hey, on va jeûner ensemble. On va le faire ensemble. » Voici quelques conseils pour jeûner mieux. Ah, puis en passant, si tu décides de jeûner, je ne l'ai pas écrit, là, mais c'est trop bon ça. Si tu décides de jeûner une journée au complet, voici ma recommandation. Déjeune pas. Déjeune pas. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, je vais jeûner, dîner et souper. » Puis, je vais déjeuner, ça va être moins pire. Non, ça, c'est la pire gaffe que tu aurais pu faire, OK? Ne réveille pas ton estomac si tu décides de jeûner une journée complète. Laisse-le bien endormi le matin, parce que si tu le nourris le matin, je te dis que ton midi et ton soir vont être durs. OK, maintenant, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Ça, c'est la question à 1000 réponses. J'aurais pu vous faire 15 points pourquoi jeûner, ils sont tous bibliques, mais je vais vous en apporter quelques-uns ce matin rapidement. Pourquoi jeûner? Premièrement, pour détrôner le dieu de l'estomac. On vit dans une culture obsédée par la bouffe. On est littéralement obsédé par la nourriture. Montréal, ville d'art et de resto, right? Il y a plus de restos à Montréal, je pense, que dans n'importe quelle ville nord-américaine par capita. Ça n'a aucun sens. Le monde voyage de partout en Amérique du Nord pour venir à Montréal pour la musique et pour la bouffe, bien sûr. On est hyper obsédé par la nourriture. Ça fait partie de notre culture. Il y en a, là, on dirait que t'es pauvre. Mais c'est pas parce que t'es pauvre, c'est parce que tu manges trop au resto. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une culture de la bouffe. C'est partout, partout, partout. On a une obsession pour la nourriture, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, on a une obsession pour le culte du corps. Fait que tu vas à l'épicerie, hein, puis quand tu arrives, puis tu fais ton line-up pour payer, il y a des racks avec des revues, hein, avec des barres de chocolat, toutes sortes de trucs à acheter. Puis d'un côté, tu regardes, puis là, il y a une revue, puis c'est The Rock sur la couverture. Avec, non pas son 6-pack, mais son 12-pack. Puis ça, c'est glorifié. Mais en même temps, tu regardes la revue juste à côté. C'est une orgie de bouffe. Le cheesecake est décadent sur la photo, OK? Et ces deux trucs-là sont on display dans notre culture constamment. On a une obsession pour la nourriture et on a aussi une obsession du corps. Mais imaginez le message contradictoire que ça envoie. Parce que, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai regardé, pour avoir de l'air de The Rock, faut pas que tu manges de cheesecake. Quelqu'un. Mais on a ces messages contradictoires. Pas surprenant que les gens développent des troubles alimentaires. Pas surprenant que les gens ont un rapport négatif à leur image. On a tous ces revues, tous ces magazines qui nous montrent des modèles inatteignables, le truc. Mais moi, j'ai un problème avec le magazine pour plusieurs raisons. Parce que le modèle sur la photo ou la fille sur la photo, premièrement, il y a 0,001% de la population qui rentre dans ce modèle-là. OK? Deuxième problème, voici mon deuxième problème. C'est que ça ne tient pas compte de plein d'autres facteurs. L'âge, les types de corps, l'ethnicité, etc. Et que ça ne tient pas compte de tout ça. Et mon troisième problème avec cette photo-là, c'est que la fille qui est sur la photo, c'est pas la vraie fille. Même elle, elle se reconnaît pas. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a le make-up, il y a la lumière, il y a le ventilateur dans les cheveux, mes amis.
Il y a les filtres, il y a le Photoshop. Comme si après tout ça, tu avais encore besoin de Photoshop. Mais il y a Photoshop quand même. Mais le jeûne, lorsqu'on le pratique, vient assainir notre rapport à la nourriture. Parce qu'on a fait de la nourriture un dieu. On a fait de la nourriture un refuge pour régler nos problèmes. On a fait de la nourriture, pas simplement un moyen de subsistance et de célébration, mais on a fait de la nourriture quelque chose pour nous aider à dealer avec notre stress. On a fait de la nourriture un petit dieu. On a un rapport malsain avec notre corps, avec l'image. Mais le jeûne vient réaligner les choses. Le jeûne vient nous apprendre que, oh boy, je pensais pas que je mangeais mes émotions tant que ça. Parce que je suis pas en train de crever de faim là, quand je jeûne, là. J'ai des réserves en masse. Okay? Ce n'est pas une question de subsistance, c'est émotionnel. Je suis dépendant de ce truc-là. Je gère mon stress avec ça. Je mange littéralement mes émotions. Et quand je jeûne, ça me permet d'exposer ça. Ça me permet de rétablir, d'enlever le Dieu du ventre de sur le trône, de remettre Dieu à sa place, d'avoir un rapport plus sain avec la nourriture et aussi d'accepter mon corps d'une façon plus saine. Alors ça, c'est la première raison pourquoi on doit jeûner, pour détrôner le Dieu de l'estomac. Voici la deuxième. Pour affaiblir les désirs de la chair et fortifier les désirs de l'esprit. Galates 5, 13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Quand on dit le mot chair, à quoi vous pensez? Le corps, hein? La sexualité. Mais le mot chair dans le Nouveau Testament, hein, est bien plus large que ça. Le mot chair dans le Nouveau Testament nous parle de désir désordonné. Désir désordonné pour la bouffe, pour boire, manger, pour le sexe, pour le pouvoir, pour la préservation de soi, pour l'amusement, des désirs désordonnés. Ça, c'est la chair. Mais la chair, c'est aussi cette inclinaison que nous avons à être anti-Dieu. Tu dis, mais je ne suis pas anti-Dieu. Non, peut-être pas, je ne crois pas en Dieu, je rejette Dieu d'une façon consciente. Mais il y a une voix en nous, il y a quelque chose en nous qui dit, personne ne va me dire quoi faire. It's my life, it's now. Ouais, c'est ça. Pourquoi le monde l'aime tant, cette tune-là? C'est parce que « it's my life », right? Regarde, t'as le goût de la chanter, là, t'sais. Mais il y a quelque chose en nous qui dit « it's my life ». Mais dans sa parole, dans la Bible, Dieu dit quoi faire. Par les autorités, Dieu dit quoi faire. Par la police, par ton premier ministre, par ton maire, par Dieu dit quoi faire à travers plusieurs moyens. Mais il y a quelque chose en nous qui fait « oh non ». Ça, c'est la chair. Les désirs désordonnés, c'est la chair. Le truc anti-Dieu qu'il y a en nous, c'est la chair. Et la chair infecte le corps. La chair infecte le corps. Et lorsque le corps est infecté, ça donne place à ce que Paul appelle les œuvres de la chair. L'inconduite, dans Galates 5, 20. L'inconduite, l'impureté, la débauche, l'ivrognerie. En d'autres mots, les dépendances. Lorsque le corps est infecté par la chair, ça donne place à des dépendances. On devient esclave de notre corps. Maintenant, il n'y a pas seulement que le corps qui peut être infecté par la chair, il y a aussi l'intelligence. Savez-vous que l'intelligence peut être infectée par la chair? Que lorsque le corps est infecté par la chair, nous avons des dépendances. Mais lorsque l'intelligence est infectée par la chair, voici ce qui se passe. On se met à croire des mensonges. Des mensonges sur ce qui est vrai, des mensonges sur ce qui n'est pas vrai. Des mensonges sur la définition de la liberté, et des mensonges sur la définition de l'esclavage. Aujourd'hui, c'est inversé. Les gens disent « liberté », Dieu dit « esclavage ». Les gens disent « esclavage », Dieu dit « liberté ». Mais les gens croient des mensonges. Pourquoi les gens croient des mensonges? Parce que la chair a infecté l'intellect. Aujourd'hui, les gens croient des mensonges sur c'est quoi être vraiment humain. Les gens disent, voici ce que c'est être vraiment humain. Fais ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux.
Et Dieu dit, ce n'est pas ça être humain. Être humain, c'est être libre des désirs de la chair. Être libre, c'est être capable de dire non. Être libre, c'est pas obligé de dire oui. Mais lorsque l'intelligence est contaminée par la chair, on se met à croire des mensonges. Mais pire que ça, on se met à vivre des mensonges. Et ça, c'est exactement à l'image de notre monde aujourd'hui, où des gens croient des mensonges, des gens vivent des mensonges, des gens croient être libres, mais sont plus enchaînés que jamais. Mais voici la bonne nouvelle, voici la bonne nouvelle. Lorsque Jésus est venu mourir sur la croix, il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu afin de détruire la chair. La bonne nouvelle, c'est que les jours de la chair sont comptés, mes amis. Lorsque Jésus va revenir, la chair, ça va être fini, cette affaire-là. Okay? À la croix de Jésus, c'est passé quelque chose. Jésus a donné à ceux qui croient en lui le pouvoir de dire non à la chair. En Jésus, je ne peux pas par moi-même, mais avec Jésus, je peux dire oui au pouvoir de la chair qui contamine mon corps, qui me rend esclave de mon corps, qui contamine mon intelligence, qui m'amène à croire des mensonges. Et lorsque je jeûne, voici ce qui se passe. Lorsque je jeûne, parce qu'en nous, il y a les désirs de la chair, mais il y a les désirs de l'esprit aussi. Et lorsque je jeûne, ce que je fais, c'est que je suis en train d'affamer les désirs de la chair. Mais je suis en train de nourrir les désirs de l'esprit, les désirs de la chair, c'est les désirs pour la débauche, pour l'ivrognerie, pour l'impureté, pour la discorde, pour la jalousie, pour la comparaison avec les autres, etc., pour la médisance. Ça, c'est le désir de la chair. Mais les désirs de l'esprit, c'est le désir pour aimer les autres. C'est le désir d'humilité. C'est le désir de prier, d'être en communion avec Dieu, de lire la parole de Dieu, d'être en communion avec les frères. Ça, c'est les désirs de l'esprit. Et lorsque je jeûne, ce que je fais, c'est que je viens affamer les désirs de la chair, et ils diminuent, et je viens nourrir les désirs de l'esprit qui montent. C'est pas que les désirs de la chair n'existent plus, mais c'est que tu les sens pas mal moins. Parce que tu cultives la bonne chose. Le jeûne nous permet de nourrir les désirs de l'esprit. Ça affaiblit les désirs de la chair et ça fortifie les désirs de l'esprit. Et je crois qu'en 2023, les petits Québécois ont besoin de fortifier les désirs de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais il n'y a personne qui a trop mangé de tarte aux pommes pendant le temps des fêtes? Je suis tout seul à faire ça? Hein? Je suis tout seul à prendre un deuxième morceau de dessert? Je suis tout seul? Non! Non, toi aussi tu l'as fait. Toi aussi, OK? Puis si c'est pas le dessert, c'est le sac de chips. Puis si c'est pas le sac de chips, c'est la boîte de chocolat. Puis si c'est pas la boîte de chocolat, c'est une autre affaire. Nous avons besoin de fortifier les désirs de l'esprit. Parce que nous vivons dans un monde où il y a un combat spirituel. Ça va m'amener à mon troisième point. La troisième raison pourquoi on jeûne, c'est pour des percées surnaturelles. Il y a des victoires qu'on ne peut pas s'emparer sans le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité spirituelle. Et les gestes qu'on pose sur la terre ont un impact dans le spirituel. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une guerre entre Dieu et Satan, puis qu'ils sont à égale force. J'aimerais dire, ils ne sont pas à égale force. Pas du tout. En fait, Satan a été vaincu, OK, par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Satan est déjà défait. Mais il y a une guerre entre les forces du bien, entre les bons anges et entre les mauvais anges. OK, ça, c'est un concept qui est biblique. Il y a cette bataille spirituelle. Et lorsque nous prions, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas t'expliquer les 8 raisons théologiques pourquoi, c'est juste une réalité que la Bible décrit. Lorsque nous prions, nous venons soutenir les anges qui combattent les mauvais. Daniel chapitre 10. Tu crois pas? Qu'est-ce que tu enseignes là? Daniel chapitre 10. Va lire Daniel chapitre 10. Nous venons intervenir par nos paroles, nos prières. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Et il y a des forces, il y a des principautés, il y a des ténèbres qui agissent dans notre monde, qui tient les gens captifs, qui tient les gens dans les dépendances, dans l'ignorance, dans la violence, dans la haine. Il y a des forces qui sont actives. Et lorsque nous prions, on vient intervenir dans le domaine spirituel. On vient soutenir ces anges-là, ces envoyés de Dieu-là qui sont en train de combattre pour nous. Et on vient les aider par nos prières. Dieu a choisi de le faire comme ça. C'est Dieu, OK? Il fait ce qu'il veut. C'est pas moi. Mais Dieu a choisi de nous impliquer là-dedans. Il y a des combats que tu ne peux pas remporter si tu ne jeûnes pas. Amen.
Il y a des combats que tu ne peux pas remporter si tu ne pries pas. C'est par le jeûne qu'Esther a sauvé une nation entière d'être égorgée et assassinée. C'est par le jeûne que Jésus a confronté Satan lui-même pour être victorieux de lui dans le désert. Il y a des percées, certaines choses qui arrivent dans le naturel que parfois on se dit « Oh wow, c'est cool, hein? Beau mouvement politique ». Belle solidarité humaine. Lorsqu'on voit le communisme tomber dans les années 80, à la fin des années 80, lorsqu'on a vu l'apartheid tomber, lorsque les droits civiques aux États-Unis, l'avancement dans les années 60, 70 pour les droits des Noirs aux États-Unis, on regarde ces choses-là puis on se fait « Wow, belle solidarité, beau mouvement humain, il y a du monde qui ont persévéré. » Et puis ça, c'est tout vrai. Mais j'aimerais vous dire, derrière ça, il y a quelque chose de bien plus profond que ça. Saviez-vous que derrière chacun de ces trucs-là, il y avait des croyants qui jeûnaient, qui priaient? Et qui par le jeûne et la prière ont fait une différence dans les lieux spirituels. Jésus a dit, il y a une sorte d'esprit ténébreux, il y a une sorte de lien qui ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a des choses qui sont seulement accessibles par le jeûne et la prière. Il y a des victoires que tu ne peux pas remporter sans le jeûne et la prière. Je l'ai vu dans ma vie à plusieurs reprises. Lorsqu'on a démarré l'église, juste avant de démarrer la chapelle, j'ai pris un temps de jeûne et prière 10 jours. Et je vous dis, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dur. Au 5e jour, j'ai relu mes notes hier de mon journal. À chaque fois, je prends un temps de jeûne prolongé, je prends des notes. Chaque jour, je note qu'est-ce qui se passe, je note mes prières, je note les réponses aux prières. Jour 5, en bon québécois, c'est l'enfer aujourd'hui, OK? Non, mais c'était juste tough, là. Puis là, dans mon carnet, toutes les affaires qui se passaient, j'ai pas le temps d'aller expliquer ce matin, mais c'était comme, j'étais à un point, je me disais, ça vaut-tu la peine de continuer? Est-ce que je dois arrêter ce truc-là? Mais j'aimerais dire ceci, lorsque le jeûne est au plus tough, lorsque le jeûne est au plus difficile, lorsque tu sens l'odeur du Saint-Hubert juste en passant dans la rue, j'aimerais dire, lorsque tu as le goût de lâcher, c'est à ce moment-là que le jeûne est plus efficace. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas que tu lâches. C'est à ce moment-là qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il y a une récompense qui est en train de se bâtir pour toi, d'arriver pour toi, parce que Dieu récompense toujours le jeûne. Et dans mon carnet, j'ai été voir jour 10. Mais ça, je m'en souviens, jour 10. J'ai tendance à oublier jour 5, où j'ai traversé le désert, mais le jour 10, je m'en souviens. Parce que le jour 10, je me demandais vraiment, j'ai-tu fait ça pour rien? Mais le téléphone a commencé à sonner. Jour 5, j'avais fait un accident, j'avais scrappé ma voiture. On avait un problème aussi sur notre autre véhicule scrap. On se retrouve avec 2 véhicules scrap. Plus plein d'autres trucs, plein d'attaques. Les ténèbres viennent te jouer dans la tête, mais jour 10, mes amis, puis ça n'arrive pas toujours comme ça, là. Mais jour 10, le téléphone a commencé à sonner, puis nouvelle après nouvelle, téléphone quelqu'un qui dit « Hey, moi, je veux subventionner parce qu'on n'avait pas d'employé. » Il dit « Moi, je veux subventionner pour une journée semaine pour un employé. » Je dis « Hey, c'est cool, c'est pas… » Téléphone après ça. « Ouais, M. Potier, vous allez avoir un véhicule neuf. On a approuvé votre véhicule neuf. Puis en plus, vous allez avoir un chèque de 5 500 $. OK, wow, yes, c'est cool. Téléphone sonne, un autre. Monsieur Potier, on va donner 25 000 $ pour démarrer le projet de la chapelle. Ouh, hallelujah. OK. En dedans de 24 heures, un autre téléphone. Oui, M. Potier, on va donner 100 000 $ pour le projet de démarrage de l'église. Ça, c'est toute la même journée. C'est fou. Je l'ai noté, je vais m'en souvenir tout le temps. Mais je pense que Dieu voulait m'enseigner quelque chose. C'est pas toujours aussi spectaculaire. Laisse-moi vous dire une chose. Le jeûne a toujours une récompense. Ça donne toujours quelque chose. J'ai déjà jeûné, puis je me suis dit, oh, je pense que ça n'a rien donné. J'ai pas l'impression que j'ai connecté avec Dieu tant que ça. Hein? Ceux qui ont fait des jeûnes prolongés, là, après 10, 15, 20 jours, ceux qui ont fait des jeûnes de 40 jours, après 40 jours, là, tu te demandes si Dieu existe. Pour vrai. Non, pour vrai. C'est juste épouvantable pour ceux qui l'ont fait de la manière qu'ils décrivent. Là. Mais il y a toujours une récompense au jeûne. Si ce n'est pas fait hypocritement, si ce n'est pas fait pour show-off, il y a une récompense au jeûne. Il y en a, ton mariage est bloqué, la relation, tu penses que c'est fini, tu penses que c'est mort. J'aimerais dire, si vous commencez à jeûner
et à prier, je pense qu'il va se passer quelque chose. Il y en a, tu as l'impression de tourner en rond en ce moment. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. J'aimerais dire, si tu commences à t'entraîner, si tu commences à pratiquer la prière, le jeûne, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont changer dans les lieux célestes. Je termine avec ceci. Quatrième raison pour jeûner. Il y en aurait plein d'autres. Mais c'est la plus importante. Pour s'approcher de Dieu. Oui, on jeûne pour plein de raisons. Oui, on jeûne pour des percées, pour des victoires. Laissez-moi vous dire la raison pour qu'on jeûne. La raison pour qu'on jeûne, c'est pour s'approcher de Dieu. Et quand tu abordes le jeûne, ça doit toujours être ta motivation principale. On peut avoir les autres motivations, c'est correct. Mais la motivation principale pour qu'on jeûne, c'est pour s'approcher de Dieu. Si tu réalises que Dieu est la meilleure chose dans l'univers, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est d'être plus proche de lui. Si Dieu, c'est celui qui a le plus de joie, le plus d'amour, le plus de paix, le plus de contentement en lui-même, la meilleure chose qui peut m'arriver, c'est que je m'approche de Dieu. Quand tu jeûnes, garde à l'esprit. OK, oui, je jeûne pour une percée. Oui, je jeûne parce qu'il faut que j'affame les désirs de la chair. Je veux être libéré de ces dépendances-là. Je veux être libéré de ces choses-là. Dieu ne m'appelle pas à vivre comme ça. C'est toutes des bonnes raisons. Mais n'oublie pas la raison pour qu'on jeûne. Jésus dit, « Ton Père qui te voit dans le secret va te le rendre. » La raison pour qu'on jeûne, c'est pour s'approcher de Dieu. Parce que quand tu jeûnes, t'as faim. Il y en a, t'as même pas aidé. Là, mon fils, il est plus petit, il est plus vieux. Puis quand il me l'année passée, je faisais un jeûne, puis il avait comme oublié tout ce que j'ai enseigné sur le jeûne ces années. Puis là, il me dit, « Papa, tu vas jeûner 7 jours. » C'est dangereux. Là, je dis, mon fils, quand t'as de l'air de ce que j'ai de l'air, c'est pas dangereux pantoute. Mais il y a quelque chose en nous qui fait, ah non, je peux pas faire ça. Là. Mais quand tu jeûnes, là, voici ce qui se passe. T'as faim. T'as faim. Il y a une hormone qui s'appelle la gréline, qui fait gréliner ton ventre. Des fois, ça n'est gênant. Quand je suis dans un moment de jeûne, j'ai un rendez-vous dans mon bureau, je fais... Excusez-moi. C'est totalement involontaire. Tu ne peux pas le contrôler, là. OK? Ça s'appelle la gréline. Mais quand tu as faim, voici à quoi ça sert. Ça sert à te montrer que ton âme a faim comme ça. Parce que as-tu déjà vu quelqu'un qui est mal nourri, qui est en train de mourir physiquement par manque de nourriture? Ils ne sentent plus la faim. Ils ne sentent plus. Ils sont en train de mourir, ils ne sentent plus la faim. Ils n'ont plus faim. Et souvent, on affame tellement notre âme qu'on ne sent pas que notre âme a faim. On ne peut même pas dire comme le roi David, « Ah, mon âme a soif de toi, oh Dieu. » Parfois, on n'a pas soif de Dieu. Ou on pense qu'on n'a pas soif de Dieu. Mais lorsqu'on jeûne physiquement, la faim qu'on ressent, c'est une métaphore de la faim de notre âme. Fait que quand tu craves, là, tu n'es pas capable de penser à d'autres choses. Hein. Jeûne avec un groupe de gars. Okay? La seule chose qu'on parle pendant tout le jeûne, c'est de bouffe. C'est obsessif, là. Quand tu ne manges pas, tu as faim. Puis ça, c'est la voix de Dieu qui est en train de te dire, ton âme, là, elle a faim comme ça. Ton âme a besoin de moi de la même manière. Que ton corps aspire après cette nourriture-là de la même manière, ton âme aspire après moi de la même façon. Quand on jeûne, ça nous démontre à quel point on a spirituellement faim. Ça nous démontre à quel point on est affamé spirituellement.
Et lorsque je mets la nourriture de côté, je mets les distractions de côté, je mets les écrans de côté, je mets les médias sociaux de côté pour me consacrer à la prière, ma faim pour Dieu, non seulement c'est en train de m'enseigner que mon âme a faim comme ça, mais ma faim commence à s'aggraver pour Dieu. Mon désir pour Dieu, je commence à réaliser que j'ai faim de Dieu. Ma faim inconsciente commence à devenir consciente. Je commence à ressentir la faim à nouveau de Dieu. C'est ça que le jeûne fait. Et là, la sensibilité au Saint-Esprit, la compassion pour les autres, la puissance dans la prière commence à s'installer. On commence à entendre la voix de Dieu un peu plus clairement. Lorsqu'on jeûne, on réalise c'est quoi la voix de Dieu. Souvent, c'est flou, la voix de Dieu. On ne comprend pas c'est quoi la voix de Dieu. C'est un concept, il y en a, j'ai entendu la voix de Dieu, moi. Commence à jeûner à papier. Tu vas l'entendre. Mais voici l'affaire. Tu ne l'entendras pas comme tu penses que tu vas l'entendre. Quand tu es ici, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. J'entends pas la voix de Dieu. J'entends pas ça, la voix de Dieu. Puis tu penses que tu as une image mentale de c'est quoi la voix de Dieu. Mais quand tu te mets à jeûner puis à prier, tu commences à entendre la voix de Dieu puis tu dis, je pensais pas que c'était comme ça. C'est pas quelque chose que tu entends. Ça vient de l'intérieur. C'est inexplicable. Mais c'est pas David, oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ça vient de l'intérieur. Il y a une inclinaison. Tu deviens en symbiose avec Dieu. Puis Dieu, c'est pas comme, OK, David, tourne à droite. OK, droite, Seigneur. C'est tout gauche. Non, c'est pas comme ça. C'est plus... Le père qui a le petit dans sa main. Puis qui marche avec lui. Puis il n'y a pas besoin de dire à gauche, à droite. Non. Juste à tenir la main. C'est ça le jeûne. Tu tiens la main de ton père céleste. Puis il n'y a pas besoin de te dire à gauche. Non. Il fait juste tirer. Puis tu parles avec lui, puis il parle avec toi, puis vous avez un moment super ensemble. Puis une intimité, une profondeur avec Dieu qui se développe. Le jeûne sert à ça, parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis souvent, on vit de pain seulement. On vit seulement pour les choses de la terre. Mais j'aimerais dire ceci, il est temps pour nous de pratiquer ces choses-là. Commence petit. Commence avec un repas. Refuse toute culpabilité. Mais le jeûne, c'est pour toi. Et si on peut juste réaliser que c'est notre appel à chacun d'entre nous, on va commencer à mettre ça dans nos disciplines spirituelles. Et ça va commencer à changer et à révolutionner nos disciplines spirituelles. Moi, je suis quelqu'un dans ma vie, j'ai des moments de jeûne. Mais mon ami Glenn, il m'inspire beaucoup là-dessus parce que lui, le jeûne, c'est quelque chose qu'il pratique à chaque semaine. Chaque semaine, il y a un moment de jeûne. C'est pas obligé d'être grand, mais un moment de jeûne. Puis je me suis dit, hey, c'est pas ça que je fais, moi. Jésus jeûnait à chaque semaine. Moi, je jeûne ponctuellement. Je jeûne en début d'année, je jeûne automne. J'ai des moments où je jeûne. Mais je veux intégrer ça dans ma discipline spirituelle régulière parce que je crois qu'il y a quelque chose à aller chercher là-bas. Combien croient que c'est ça qu'on a besoin plus que toute autre chose en 2023? On a besoin. Ouais. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur très fort ce matin, mes amis? Je me repose en toi, tes promesses sont inépuisables, ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse, ta grâce.
alors c'est mon héritage. Ta paix est telle un roc. Sur toi, je peux m'appuyer. Ta grâce me suffit. Je suis fort, ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Merci à David pour son message. Le jeûne est bien plus qu'une discipline du corps. C'est une disposition du cœur et de l'esprit qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Si tu veux connecter et prier avec la communauté de la chapelle en ligne, tu peux rejoindre Loïc. Demain midi sur Zoom, tu trouveras le lien sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous aide à faire la différence, nous permet de bâtir l'Église, mais aussi de soutenir les activités des jeunes à ville. C'est quand on aime en action qu'on incarne vraiment le message de Jésus autour de nous. Merci, car chaque don fait une différence. Tu peux donner automatiquement sur notre application ou sur notre site web. D'ailleurs, si tu as fait des dons en 2022 et que tu aimerais recevoir le reçu d'impôt en format électronique par courriel plutôt qu'en format papier par la poste, écris à don@lachapelle.me. N'oublie pas que l'Église est avant tout quelque chose qui se vit en personne. Si tu peux, viens te joindre à une des chapelles des dimanches, à Montréal, à Gatineau ou à Québec. L'horaire des rendez-vous va apparaître à l'écran. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. Belle semaine à toi, à la semaine prochaine pour la suite de notre série Mise en forme.